même intéressant d'ouvrir, et vous le savez bien ici dans la région, jusqu'à minuit, ça n'était pas le cas normalement. Il y avait beaucoup de gens qui contournaient la loi quand on regarde comment les choses se passaient. On donne un cadre clair, il y a le développement de l'infrastructure aéroportuaire et de l'aéroport de Nice. L'État a décidé de se désengager, mais avec la volonté de porter un projet de développement économique. La ville s'est beaucoup redessinée en l'espace d'une dizaine d'années et aujourd'hui elle continue sur une trajectoire extrêmement forte. Pour parler simplement chiffres sur les projets que nous présentons au MIPIM, nous sommes à peu près sur 5 milliards d'euros. Donc cela donne une idée évidemment de l'investissement sur Lyon. Le projet de la Part-Dieu est incontestablement le projet phare. Pourquoi ? D'abord parce que aujourd'hui c'est là où déjà sont concentrées les entreprises. Nous avons à peu près 1 million de mètres carrés de tertiaires d'entreprises autour de la Part-Dieu. Et donc l'idée c'est de porter à 1 600 000. Le point commun c'est qu'on s'appuie sur une ville qui a une forte identité culturelle. Et en même temps, on amène la modernité au cœur de la ville, voilà, avec de grands professionnels, de belles signatures. Nous avons d'ailleurs en commun des architectes urbanistes comme Christian de Villers, dont on sait qu'ils font partie des plus performants, pour avoir vraiment de nouveaux quartiers totalement intégrés. Pour la qualité de vie de nos concitoyens, c'est aujourd'hui une exigence. Pour ne pas commettre les erreurs des années 70. Lorsqu'il s'agit d'Emmanuel Macron, on a un interlocuteur qui a une culture internationale, qui comprend le monde des affaires, qui sait lire un compte d'exploitation et un bilan, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde politique, donc c'est très agréable, c'est quelqu'un d'intelligent. En tout cas, il y a une compréhension de la part du ministre de ce qu'est la Côte d'Azur, ce qui est déjà pas si mal. Une terre qui doit être fière de ses racines, fière de son histoire, mais tournée vers le monde, c'est ça la Côte d'Azur, c'est le village mondial. Il y a eu des actes sur l'aéroport, il a pris en compte ce qu'on avait dit. Il y a eu des actes sur les ETI, où il a vraiment écouté moi, ce que je lui avais préconisé en termes de périmètre de zone sur la Côte d'Azur et à Cannes en particulier. Bien souvent, on nous taxe d'être uniquement aéronautique et spatiale. C'est faux. C'est faux. Nous avons bien sûr une tradition aéronautique et spatiale qui nous mène au plus haut point français, mais elle diffuse une culture industrielle dans tous les autres secteurs. Je voudrais vous parler aussi de nos services. Les entreprises de services représentent globalement 50% de l'emploi autour de Toulouse Métropole et bien sûr autour de la Haute-Garonne. Et nous aurons rapidement 200 pépites qui vont développer autour des technologies, autour des objets connectés. C'est le futur, c'est les Google de demain, c'est sur notre territoire. Tout ça fait que nous avons une excellence économique reconnue par tous et surtout diversifiée, créatrice de valeur d'emploi et créatrice de valeur ajoutée, bien sûr, pour nos investisseurs. Le MIPIM, c'est un moment assez incontournable pour l'immobilier. Et à Montpellier, il est vrai que c'est un secteur qui est très florissant. Nous avons la chance d'avoir un grand dynamisme à ce niveau-là. Nous avons enregistré en 2015 plus 53% de croissance immobilière par rapport à 2014. Nous sommes, en ce sens et sur ce point, la première métropole française.